que le possessif dit Nourin renvoie au pays ou est-ce qu'il renvoie à l'État? Et aujourd'hui, effectivement, il y a sur la scène, on entend tel mouvement qui lie le possessif comme renvoyant à l'État, donc Din Daoul, Daoul Dirir, et il y a la majorité de lecture, c'est que les Tunisiens sont musulmans et la question de l'État est une question politique qui doit se résoudre en des termes humains et en termes positifs. Sur toutes les questions, l'évolution de la société, c'est une question de rapport de force. Il ne s'agit pas d'enlever ou de ne pas enlever. Tout peut être mis et enlevé, évidemment, tout dépend du degré d'évolution historique. Par exemple, la question de l'héritage, il n'y a rien là aussi qui empêche. Beaucoup de savants, de doctes, savants de l'islam même, lisent les versets concernant la part de l'héritage comme étant un plancher, un minimum. C'est pour garantir une sorte de SMIC successoral. C'est-à-dire qu'ils n'interdisent pas que ce soit au plus. Je veux dire que même dans ces cas-là, il ne faut pas entrer dans cette logique. Il y a une situation qui est là, il y a une identité qui doit être affirmée, et il ne faut surtout pas que les forces démocratiques et progressistes se laissent enfermer dans des débats de ce genre.